Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portée sur les créations de la communauté. Quelques créations sont sorties récemment et je vous propose qu'ensemble nous les passions en revue. Bien sûr, tous les liens sont en description pour pouvoir y accéder en un clic. Vous avez peut-être récemment remarqué le retour d'un grand visage de la vidéo francophone. Max17 a fait son retour et s'est lancé sur Twitch, un moyen de continuer à partager sa passion pour le jeu vidéo et Halo, tout en étant plus proche de sa communauté. N'hésitez pas à le retrouver dans cette nouvelle aventure. Continuons avec notre créateur le plus assidu, Fred, qui poursuit son aventure en let's play sur l'univers Halo. Je rappelle sa démarche, passée en vidéo sur chacune des missions de chaque opus déjà sorti. Vous pouvez par ailleurs retrouver des membres de la communauté l'accompagnant sur le Spartanops. Fred a également sorti récemment une vidéo où il prend le taureau par les cornes pour parler de l'évolution de la direction artistique sur Halo. Son objectif, vous convaincre que celles apportées par Halo 2 Anniversary ou Halo Wars 2 sont les meilleures que la saga ait pu proposer. Il proposera également une vidéo théorie sur Halo Infinite et le roman Halo Shadows of Reach, sortant en septembre de cette même année. Mais Fred n'est pas le seul à créer, je vous propose de vous pencher sur Elios Val et son Machinima Never Lost. Il le présente comme un véritable court-métrage. Il a utilisé la forge pour créer une map vraiment splendide qu'il nous montre au travers de plans de caméra incroyables accompagnés de magnifiques musiques. Quelques doubleurs vous seront familiers, puisque l'un d'eux est même un acteur officiel de la franchise Halo. Machinima, à voir absolument, anticipant de potentiels événements de Halo Infinite. Si vous aimez les Machinima, vous ne serez pas déçus, puisqu'un second est récemment sorti, et même si le genre tranche complètement avec celui de Elios Val, Sierra 2252 en a fait un tout aussi réussi. Les aventuriers de la forêt de Kalakala. Celui-ci racontera une aventure épique, comme on peut voir dans les films fantastiques. Ou dans de nombreux Machinima sur World of Warcraft, le ton de cette œuvre sera beaucoup plus humoristique. Encore une fois, une grande prouesse a été faite au niveau de la forge, et l'écriture des personnages est vraiment excellente. Pour terminer avec les Machinima, en voici un troisième de Legipix. La réalisation et le potentiel est ici encore revu à la hausse dans la suite de son Machinima corrompu, sorti l'an passé. Il utilise le plein potentiel de Halo 5 pour donner vie à son histoire des plus prenantes. Bruitage, incrustation, tout est là pour nous faire oublier que nous sommes face à un Machinima. Ces trois réalisateurs nous prouvent ici que les Machinima ont encore de l'avenir et peuvent être d'une excellente qualité. Je tiens personnellement à les féliciter pour leur travail. Je rappelle ici que toutes les vidéos de 2020 créées par la communauté et référencées sur la section création de Halo.fr sont en lice pour les Halo Awards, cérémonie devant récompenser les meilleures créations francophones. Bien d'autres vidéos ou autres œuvres sont d'ailleurs disponibles sur la section création, je vous invite à y faire un tour et j'espère très prochainement voir les vôtres. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, vous connaissez les mots de la fin, vive Halo !